Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec énormément de retard pour la suite de notre aventure sur God of War, évidemment Ragnarok avec l'épisode 31. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Et laissez-moi vous raconter une petite histoire. J'ai perdu ma voix tout simplement parce que un soir de vendredi en live avec Sophie, pour être plus précis, vendredi 23 décembre, en live avec Sophie, on a ouvert des dingueries, d'accord? Et je pèse mes mots, des dingueries, en ouvrant des cartes Pokémon d'anciens boosters. Et j'ai eu littéralement, le 26 me semble-t-il, une extinction de voix. Je ne pouvais plus parler. Là, j'ai encore des restes, je pense que vous l'entendez. Et si je parlais, bah, à tout moment... Ça partait très très fort en couille, jusqu'à je pouvais carrément en vomir, hein, pour être très honnête avec vous. C'était une vraie extinction de voix, c'est pas des lol. Donc voilà, là ma voix a commencé à revenir. Faut qu'on passe à travers ces rochers. C'est pas encore ça, mais au moins je peux parler, je peux continuer les records. Désolé vraiment. Faut savoir que voilà. Imagine ce que ça ferait à des os. Faut savoir que ça m'a forcément beaucoup impacté parce que bah pas de vidéo pendant longtemps, pas de revenus non plus. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. La prochaine fois, je crierai un petit peu moins fort et je ferai un peu plus attention. Mais pas par ici. Évidemment. Alors, souvenez-vous, ça on l'avait déjà pris. J'en ai le souvenir. Est-ce que c'est une enclume? Et on devait continuer, nous étions avec Thor et on avait le père de tout, Odin, nous avait offert une mission d'aller récupérer quelque chose de bien précis. Tu veux qu'on parle du prix du sang? Par ici. Que fais-tu des géants que t'as tués? C'était ma famille. Damur, Rungnir, ils faisaient partie des tiens. Les géants étaient le fléau des 9 royaumes. Et j'ai savouré la mort de chacun d'entre eux. Allez, changeons de sujet. Tu sais... La dernière fois qu'on est venu avec mon père, on a remporté toutes les épreuves de Surt. Tu pourrais... Ne te moque pas de moi. Ok. D'accord. Par contre, attendez, parce que... Y a... Oh, voilà. C'est bien ce que je pensais. Si je fais ça... Y a un monde où ça marche? Non... Il faudra revenir ici avec Kratos, hein, je pense. Hein. Je pense qu'à mon avis, si vous voulez savoir la suite, avec Kratos, on reviendra par là où on est passé avec Atreus et Thor, étant donné que Kratos va forcément partir à la recherche d'Atreus, même si Atreus a grandement déconné à ce niveau-là. Et là, on va se battre d'ailleurs. Ça risque d'être assez... Ouais, ça fait peur. Écoute, maudit avait ses Thor, mais c'était mon fils. Si je n'étais pas encore réduit en bouillie, c'est seulement à cause de ce monde à briser. De toute évidence, aucun de nous ne peut réussir cette mission tout seul. Nous voulons tous deux impressionner Odin. Je ne te demande pas de m'apprécier, mais... Nous devons nous faire confiance. Juste un peu. Confiance. Ok, allez, c'est parti, let's go. Let's go, let's go, vas-y mon épée, tu m'envoies du lourd. Ok. Très bien ça, très très bien. Ça peut me faire un petit finish. Ok, pas mal. Mais tu manques d'agressivité. Wow, ok. Mais non, je te fais confiance. Oh, bien wesh. Oh la vache, j'essaye, je suis trop concentré sur celui-ci. Allez, ça dégage. Oh là là, on est un monstre. Bon bah attends, tu m'as un petit peu volé mon gars sûr, c'est bien dommage. Bon, au moins vous voyez que je simule pas, j'ai vraiment perdu ma voix. Là, je l'ai un petit peu retrouvé, dites-vous. Quand je vous dis qu'une extinction de voix, on ne peut vraiment pas parler. C'est qu'on ne peut vraiment pas parler.
Mais là, ça fait plaisir. Voilà, on a un petit peu de retour au moins. Ok. Bah ouais, mais alors attendez. Le masque m'attire par là. Bizarre. Il faut trouver un moyen de descendre. Très bien. Ok. Tu sais, je ne me moquais pas de toi. Les épreuves étaient amusantes. Tu ne t'amuses jamais. Tu es tellement différent de ta fille. Elle avait... Hé, viens voir ça. Thor, qu'est-ce qui... Ah. Ah, je voulais checker derrière au cas où j'avais loupé un truc. Attends, la fresque de Surt. Ça va, t'es pas mort. Oh. Oh. On a trouvé une petite fresque en bas. Mais je suppose que tant qu'on est avec Thor, on... Bah, vaut mieux pas, en fait, tout simplement. Ok, très bien, très intéressant. Non, je réfléchissais et... Ouais, c'est ça ton problème. Les épreuves se trouvent derrière cette falaise. Oh putain. Tu pourrais peut-être les passer avec route. D'abord. Allez, Thor. Ouais, tu peux okay. Essayez toujours. Tu fatigues déjà? Ah, le moins du monde. On va essayer de faire un max d'élimination. Oh, quel bonheur de rejouer au jeu vidéo, les gars. Dites-vous que j'ai pas joué pendant quasi une semaine. Parce que même en live, c'était quasi impossible. Wow! Ok. Oh, je suis un monstre. Hop, je suis un monstre. Lâche-moi un monstre. Encore un autre. Ok, je suis un monstre. J'ai peut-être un peu peur. Tu peux avoir un peu d'aide. Nous manquons de temps. Alors je... Ok, let's go les gars. Non, pas lui. Pas lui, on s'en bat les couilles. Ok. Lui, à la limite. Ok, ça va être chaud. Ok. Ok. Non mais l'autre il est plus loin, mais qu'est-ce qui se passe? Ah mais c'est toi qui s'en occupe. Allez, let's go. Régalez-moi maintenant, s'il vous plaît, en stuff. Alors ça, on prend. Merci. Le père merci. De toi a attendu des centaines d'hivers. Merci. Un peu plus ne le et tuera pas. Merci. C'est drôle. Merci soit aussi. Surtout. Encore merci. Entendu. Incroyable tout ce qui est en train de se passer. Oh, quoi? Ok. Alors, invocation runique, dis-moi tout. Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Ok. D'accord. Et ça, c'était quoi déjà, ça? Ouais, ouais, non, ça, j'étais pas trop fan. Ok, c'est parti. Très, très bien, ça. Très, très bien, les amis. Let's go, en plus, on n'a pas perdu de vie. On va récupérer parce qu'il y a souvent de la vie et de l'argent. Allez. Ouvre-moi ça, Thor. Ça me paraît logique que ça soit de l'autre côté. Alors? Ok. Thor? Les gars? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Ça devrait l'occuper un moment. J'espère. Allez, j'ai besoin d'un vrai défi. Ok. Bah les gars, je dois atteindre la fresque. D'accord, c'est là que le masque veut nous emmener. Ouais. Mais allons voir la fresque d'abord. D'accord. On trouvera l'autre morceau quand Thor sera là. Ok. Donc on revient en arrière, c'est ça? Let's go.
On va aller voir la fresque tout seul. Non, mais dis, il va nous cramer. Ingrid, tu fais confiance aux As? Je sais que je peux pas leur accorder ma confiance, mais je dois m'assurer d'avoir la leur. Et pour ça, je dois leur faire croire qu'ils ont gagné la mienne. Oui. Père et moi sommes venus lors de notre dernier voyage à Muspelheim. Ça me paraît une éternité aujourd'hui. Ok, là il y a un coffre qui a déjà été pillé. Très bien. Là il y a rien. Non. On continue. Alors là par contre je comprends pas c'est par où. Parce que la fresque je la vois bien. Ah peut-être. Ok, j'ai peut-être. C'est par là, non? Non, je sais pas. C'est bizarre, alors attendez les gars. Allez, s'il te plaît, Atreus, fais un effort. Faut passer par en haut? Non? Ah, attendez, ok, j'ai. J'ai. Superbe, d'accord. Fallait tout simplement descendre. Bon bah c'était difficile de louper le coffre. Enfin le coffre, y'a pas une coffre. Voilà la fresque. Mais vous avez compris, je pense. Vous ne voulez pas plutôt aller combattre Thor? Ok. Ok. Mais d'où est-ce qu'ils sortent? Ok. On va essayer de casser ça, les potes. Okay. Ça, on sera plus embêté. Superbe. Ça, on prend. Il n'y a plus rien d'autre à faire ici. Allez les amis, direction la fresque. Je pense que ça va partir en couille dans pas très longtemps. Je suis très heureux de vous retrouver. Au fait, oh là là, j'ai oublié le principal. Je suis désolé. Bonne année, évidemment, bonne année. Meilleurs vœux, bonne santé. J'espère que tous vos projets se réaliseront. Je vous le redirai épisode 32 dès le début. Parce que j'ai foiré le coche. Où est passée ma politesse? J'en suis désolé. Veuillez m'excuser, mais j'étais tellement content de vous retrouver que j'en ai oublié la base, évidemment. Donc, bonne année 2023 à vous tous. Tu sais, pour quelqu'un qui a reçu l'entraînement d'un guerrier, tu te laisses facilement surprendre. Pas du tout. Qu'est-ce que tu fais ici? N'ai-je pas le droit de visiter une fresque lorsque j'en ai envie? Tu es venu chercher la bille de Surt, hein? Peut-être. Tu es à la recherche d'autres billes de géants. Tu sais à quoi ça ressemble? À la vie entière d'un membre de notre peuple. Et peut-être un peu à un placard. Non. On dirait surtout que tu veux défier le destin. La vraie question, c'est qu'est-ce que toi, tu fais ici? J'aurais écrit mon histoire. C'est Odin qui te l'a donné? Ce n'est pas... Enfin... Oui, c'est lui, mais ce n'est pas... Je ne travaille pas avec lui. Je ne lui parlerai jamais du bois de fer, si c'est cela qui t'inquiète. Et je ne serai jamais à son service. Ce sont les mots de la prophétie, pas les miens. J'ai une bille à trouver. Tu peux m'aider si tu veux. D'accord. Mais tu es sûr de pouvoir ainsi briser les règles? Aucune prophétie ne mentionne des billes que tu récupérerais. Nos fins n'ont pas encore été écrites, pas vrai? Allez, champion. Oh, bonjour toi. Le problème, c'est qu'il a pas dit que Thor était là, en fait. Une autre bille, celle de Surt. Elle ne contient pas d'âme. Alors il est toujours là, quelque part. Un jour, tu m'as parlé de l'exode des géants. Tu penses à eux, parfois? En permanence. Ils sont loin d'ici. Loin d'Odin, de Thor. Je me demande sur quelle terre ils se sont installés, quelle mer ils ont bien pu traverser. Pourquoi? Je veux les trouver. Je vais sauver mon père et ensuite, je les trouverai. Ça commence. Qui est-ce? Surt, en tout cas. Regarde tout ce gel. Sinmara. Je crois pas avoir déjà entendu ce nom. Et voilà Surt. Oh, ce combat a dû être épique. Oui, jusqu'à ce qu'il... cesse. Ils ont juste arrêté? Oh, non, regarde. C'est qu'ils ont combattu ensemble.
On dirait qu'ils sont devenus amis. Ah, de très bons amis. Est-ce qu'ils... Oui. Oui, je crois bien. Oh, eh bien... Tant mieux pour eux. Mais on dirait que leur... amour les a fait fusionner en une sorte d'énorme créature. Le Ragnarok. Et ensuite... Le Ragnarok détruit Asgard. J'ai déjà vu ça dans la fresque de Groa. Eh bien, c'était... troublant. Oh, tu te souviens du serpent dans lequel on a mis une âme ? Difficile de l'oublier. Je l'ai vu. Et... il grandit. D'ailleurs, beaucoup plus vite qu'il ne devrait. Ouais, je me doutais que ça arriverait. Ah. Je vais rester un peu là. Il serait dommage que ton ami se rende compte qu'il a oublié une géante. Bien sûr. Mais... sois prudente, s'il te plaît. Ok, elle est quand même au courant qu'il y a Thor. Enfin, quand elle m'appelle Loki, ça me stresse à chaque fois. Hé, Ingrid. Thor aurait été tué par... Vous pensiez vraiment pouvoir vaincre le dieu du tonnerre ? Ok, oh. On se barre, ni vu ni connu. Let's go. Ok. Je sais pas contre qui se bat depuis le début, mais putain, c'est long sa mère. Hein. Il veut du challenge, le mec, il est pas capable de se débarrasser des manes. Allez, viens, mon Thor. Quoi ? Quoi ? Bien sûr. Je dois l'admettre. C'était amusant. J'ai fini entouré de montagnes de cadavres. Littéralement fauchés comme la lave était rouge de leur sang. Trop de soirées. Génial ! Tu viens m'aider maintenant ? Le vainqueur de toutes ces épreuves a besoin de mon aide. Je suis contenté de regarder ton cœur sur la fin. Oh là là! Là, je suis pas heureux, là, j'essaie de survivre, frérot. Si jamais. Ok. Oh, il m'a fait une flashbangs. Je viens de massacrer ces créatures. Oh, pardon, excusez-moi. Il m'a rempli une flashbang. Ok, je me bats avec. Tu as sans doute raison. Vous adorerez ça. En tout cas, elle s'en sortirait mieux que toi. Bon. Voilà, arrache-moi ça, s'il te plaît. Oh la vache! Ok. 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 Oh là là, c'est incroyable ça, ce qu'on a donné. Ok. Allez, let's go, finish. Ça dégage. Et lui, qu'est-ce qu'il veut lui? Oh là, c'est quoi ça? Frérot, ça c'est un élite, deux élites. Ok. Allez, go. Go, go, go. Cassage de bouche. Quoi? Tu aurais pu faire ça depuis le début. Bah alors? J'avais l'impression que tu t'en sors. Petit bâtard! Très bien. Je t'ai fait confiance. Alors, où va-t-on? Il faut qu'on franchisse cette porte, on dirait. Oh, vraiment? Il fallait bien que je m'occupe pendant que tu te battais. Eh bien, vérifie tout de même. D'accord. Par la porte, comme je l'ai dit. Thor ? N'est-ce pas impressionnant ? Tout bonnement divin. Tu es un dieu. Ouais, tu l'as dit. Et j'en suis un aussi. Ah, il dit rien. Qu'est-ce qui se passe ? Ok, j'ai peur. Voilà. C'est ici. Je veux bien, mais où ? Dans la lave ? Je ne sais pas. Oh, oh, il sépare en deux, ça. Qu'est-ce que c'est ? Non ! Non ! Ah, c'est pas vrai ! Ça reste entre nous. Mais plonger sa main dans la lave n'est jamais très agréable. J'ai pas réfléchi. Bien.
C'est toujours mieux comme ça. Parfait, allons-nous-en. Oh, et Bucky, ne te moque plus jamais de moi. Je n'ai peut-être qu'un gamin, mais tu restes un géant, et je savourerai ta mort. Qu'est-ce que tu as fait, Loki? La brèche est plus dense. Regarde, tu as réussi. Regardez, une de ces phrases est complète à présent. On peut enfin la lire. Mais tu ne la comprends pas. Pas encore. Moi, j'ai ma petite théorie. Je crois que si nous trouvons les bouts manquants, on pourra regarder là-dedans sans, disons, y perdre un œil. Ou pire. Regarde ça, on fait une bonne équipe, n'est-ce pas? Et toi, tu ne trouves pas qu'on fait une bonne équipe? Tout comme avec Baldur. Tout s'est bien passé là-bas? Thor a été génial. Il m'a appris plein de choses. Il t'a appris des choses? Ah oui, c'est vrai. Je vois. Que lui as-tu appris? Rien. Qu'est-ce que j'aurais pu lui apprendre? Exactement. Ah! Je me demandais où il était passé. Quoiqu'en fait, je m'en doutais un petit peu. Des remords? Je ne sais pas vraiment ce que je viens faire à Asgard. Mais maintenant, je sais que je ne viens pas vous espionner. J'aimerais que vous me fassiez confiance. Et si je dois vous aider à aller jusqu'au bout, je veux pouvoir vous faire confiance. La confiance se gagne, je comprends. Prends ceci. Déchiffre ce qu'il nous manque. Si tu restes, bien sûr. Vous allez me dire ce que vous cherchez vraiment là-dedans? Traduis ça, et je te raconterai tout. Et là-dessus, jeune homme, tu peux me faire confiance. Ok. Dites, vous êtes toujours aussi dur avec Thor? On dirait que vous êtes en colère contre lui. Oh, on est curieux. Ça ne te regarde pas. Non, je comprends. Mais ce n'est rien de ce genre. C'est... Pour tout te dire, c'est le seul langage qu'il comprenne. Je t'assure. Vas-y, essaie d'être gentil avec lui. Tu verras ce qu'il en ressort. Ok. Écoutez, on va voir si on peut dépenser un petit peu notre XP. Ça serait pas mal. 1500, allez. Au diable l'avarice, les amis, on est là pour se faire plaisir. Voilà, mon attrétré, il est full, on peut pas faire mieux, mon pote. Qu'est-ce qu'on a là? Ça, je prends, j'en ai rien à péter. C'est de l'argent et l'argent, c'est bon pour le monde. Ça, je prends, j'en ai rien à péter. Ou alors. Eh, si c'est là, c'est que c'est fait pour en profiter. Une pierre qui rayonne du pouvoir unique, un accessoire. C'est un instrument grec? C'est peut-être Tyr qui l'a rapporté. C'est un instrument grec. Putain, cette brèche... Mais moi, j'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans, sa mère. Ok, ça, on prend... Ça, on prend... Rien à foutre, on raquette, hein, les gars. C'est comme dans Zelda. Ici, tu rentres dans une maison, tu pétas tout ce qu'il y a à péter, hein. Oh là là, regardez la qualité du soft, quand même. C'est... Waouh. Mettez en 4K 60 FPS, évidemment, hein. Oh là là. Tout ce qui a pris, c'est quoi, ça? Ça régale? Ok. De l'argent partout? Ok. Encore des bails, ici? Mon appart est ici... On va fouiller. Yo les gars. Ok. Il n'y a rien à faire. FAR. Attendez, parce que mon accessoire me stresse. Armure, accessoire. C'est ça qu'on a eu? Non, c'est ça. À l'utilisation d'une invocation runique, toutes les flèches runiques sont instantanément restaurées. Et brièvement renforcées. Ok. Les nouvelles sont donc plutôt bonnes.
On verra plus tard, les gars. On verra plus tard, je suis un peu stressé là. Te revoilà. Comment est-ce Bichette. Père s'est-il bien comporté? Oui. Enfin, en tout cas, mieux que je ne m'y attendais. Est-ce que c'est l'épée du bureau de grand-père? Ah oui, elle s'appelle Ingrid. Bonjour Ingrid. Waouh, le père de tout te fait vraiment confiance. Bon, contente que tout se passe bien? Oui, moi aussi. Demain, nous parlerons des Valkyries. Avec plaisir. Aïe, 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 je sens que là on va jouer... Je sens qu'on va jouer bientôt à... Kratos, pardon. C'est une très bonne épée. Je ne me fâche pas. Je m'inquiète. Tu sais que ce n'est pas ce que je veux pour elle. Tu ne veux pas qu'elle ait une épée? Le problème, ce n'est pas qu'elle ait une épée. C'est ce qu'elle va en faire. Tu sais très bien ce que je veux dire. Oui, je le sais. Et ce n'est pas ce que je veux pour elle non plus, d'accord? Tu n'as pas à t'en faire. Elle est intelligente. Bien plus que son père. Bon. Je ne peux pas dire le contraire. Ah. Viens là. Ok. Il va se passer des petits bails sombres. Quelle drôle de journée. Exactement. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? C'est dommage qu'il n'y ait rien à... Quoi? Ah, bel équipement. Sur quoi je peux travailler? Sur quoi on peut travailler? Sur quoi tous les dégâts? Fortifiant. Les flèches. Ok. Je peux améliorer le reste. Les ennemis tués d'une flèche runique explosent. Ça, c'est pas mal, hein, quand même, je trouve. Hein. Vas-y, hein. Au diable l'avarice. Let's go. Let's go. Et le reste, on ne peut plus. On n'a plus de reste de bête. Eh bien, écoutez, les amis. C'était un joyeux retour. Je vous dis... Bah, rien du tout. On va juste se reposer. Et on s'arrêtera à la fin de la cinématique. Évidemment. Bonjour, mon frère. Bonne nouvelle. J'ai un plan. Ah, vraiment? Les Nornes. Tu les as déjà vus? Saurais-tu les retrouver? C'est possible, mais... je ne vois pas si... Ce sont les moires de ces terres, n'est-ce pas? Je veux savoir ce qu'elles savent. Elles ne seront sans doute pas coopératives. Il suffit que je les trouve. Par où on commence? Midgard.
Mais si Atreus est à Asgard, on ne le récupérera pas sans une armée. Nous devons en constituer une. Oui, rien de tel qu'une guerre catastrophique pour arranger la situation. Le garçon semble intelligent. Peut-être que si tu lui laisses un peu de temps... Tu as ta part de responsabilité. Tu l'as encouragé dans son erreur, sa confusion. Je ne souhaite pas la guerre. Mais si Odin a enlevé mon fils, sache que je ne reculerai devant rien. Ta nature a toujours été claire, Kratos. Mais toi, Freya, la guerre en premier recours, je te pensais différente. J'espère que les Nornes te seront de bons conseils. Le mien n'est peut-être plus utile ici. Tyr, ça suffit. Ce n'est pas le moment de nous diviser davantage. Viens, assieds-toi, s'il te plaît. Tu es bien silencieux. Franchement, je m'étonne que toi, tu cherches un oracle. Mais ton intuition ne nous a pas trompés jusque-là. Allons voir les Nornes. Les amis, nous allons commencer la voix, un mot du destin. N'oubliez pas de j'aime et de commentaire, j'espère que ce retour vous fait plaisir. C'était le premier épisode, évidemment, d'une longue série de vidéos que vous allez encore manger cette année de 2023. Bisous tout le monde, à bientôt, bye bye.